Philbert, me tortureras-tu de ton regard impassible, pénétrant et réprobateur? Parle-moi au moins! Dis quelque chose! Insulte-moi! Prends un poignard et enfonce-moi dans le cœur! Déchire mes entrailles et coupe ma tête! Dépêche-moi mes morceaux! Mais de grâce, cesse de me regarder! Et ça fait près de 30 ans que tu me regardes, Philbert. Pas encore. Tant d'années que je viens de passer dans le noir. Oui, Philbert! Philbert! Tout est noir autour de moi. Je vis dans le noir, je broie du noir. Il fait noir dans mon cœur. Il fait noir autour de moi. S'il te plaît, Philbert, libère-moi de ce noir, s'il te plaît. Comment? Mais tu le sais, non? Ne me regarde pas! Fais-moi ce que tu veux. Mais cesse de me regarder. Tu te rends compte, Philbert? Partout où je suis, tu m'assailles de ton regard. Au salon, à la cuisine, aux toilettes, dans ma chambre, à l'église, dans mes classes, dans les bars. Philbert, partout où je suis, tu es toujours devant moi. Et tu me regardes sans dire un mot. Bien. Ah, aïe. Bien. Philbert, règle en compte. La Bible nous dit, celui qui se sert de l'épée périra par l'épée. Moi, je ne me suis pas servi de l'épée pour t'envoyer à la mort, mais d'une machette. Eh bien, Philbert, prends une machette et tranche ma tête, Philbert, comme j'ai tranché la tienne. Mais à propos, Philbert, comment as-tu encore ta tête alors que je l'ai jetée dans les latrines? Franchement, je ne vous comprends pas, vous les Tutsis. Et vous êtes une race spéciale. Bizarre. Franchement, nous avons voulu vous exterminer, mais vous êtes entêté à vivre. On ne mourrait donc pas, vous les Tutsis. Réponds-moi, Philbert. Pourquoi vous les Tutsis ne mourrez pas? Ok. Voyons si les Hutus ne meurent pas non plus. Allez, prends une machette et tranche ma tête. Et voyons si je l'aurai encore. Allez, Philbert, courage. Elle est à toi. Coupe-la, coupe ma tête. Ah, je vois. Tu ne veux pas te salir les mains. Tu ne veux pas porter ma mort comme je porte la tienne, Philbert. Tu veux toujours être innocent. Innocent vivant. Oui, innocent mort, même innocent revenant. Mais qu'est-ce que tu veux, Philbert? Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour que tu cesses de m'assaillir de ton regard? Ah. Je vois. Tu veux que je dise ce qui s'est passé pendant le génocide? Mais c'est horrible, Philbert! C'est un procès indicible, Philbert! Allez, je ne peux pas le dire. Et puisque tu veux que je dise l'indicible, je veux le dire. Philbert, pendant 3 décennies, nous vous avons déshumanisé. Nous vous avons appelé des serpents, des cancres. Mais nous l'avons fait pour pouvoir vous opprimer sans le moindre combat. Philbert, qui pourrait me reprocher d'avoir tué un serpent ou un fils de serpent de mon gourdin? Qui pourrait me reprocher d'avoir écrasé un cancre-là sous mes pieds? Qui? Eh bien, pourtant, nous savons bien que vous n'étiez ni des serpents, ni des cancres-là. Philbert, l'attentat du président Abdelman a fait juste un prétexte pour exécuter notre plan et le justifier aux yeux de la communauté internationale. Mais ton regard semble me dire que je ne peux pas utiliser le mot justifier. Effectivement, tu as raison. On ne peut pas justifier un génocide. Philbert, je sais que vous, vos femmes et vos enfants n'étiez pour rien dans la mort du président Bielman. Mais l'attentat du 6 avril a réveillé les monstres qui dormaient en nous.
Nous avons tué avec des gourdins cloutés, des machettes et des lances. Nous avons décapité des hommes et des femmes et des vieillards qui nous demandaient d'avoir pitié d'eux. Nous les avons brûlés en terre vive. Nous avons jeté des enfants contre les murs et contre des rochers. Nous avons noyé des gens dans les fosses septiques. Nous avons broyé des enfants dans des mortiers. Nous avons éventré des femmes enceintes. Nous avons violé des femmes et des filles devant leurs enfants et leurs maris. Nous avons violé des jeunes filles devant leurs parents. Nous avons enfoncé des pieux dans le sexe de femmes et devant leurs enfants. Nous avons suffoqué des gens dans des latrines. Nous avons empalé des femmes et nous les avons rôties sur des bûchers. Nous avons fait violer des femmes et des filles par des gens infectés du VIH-Sida. Nous avons lancé des grenades sur des gens entassés dans des églises. Nous avons été cruels, fidèles. Nous avons fait l'infaisable. Et c'est cela notre drame. Voilà, fidèles. Je crois que j'ai presque tout dit. Maintenant, tourne ton regard de moi. Libère-moi. J'étouffe. Ton regard me pèse lourd, Philbert. Cesse de me regarder, je t'en prie. Cesse de me regarder. Non. Peut-être que je demande l'impossible. Tu me regarderas toujours parce que ton regard, je sais maintenant, j'ai bien compris que ton regard est ton unique façon de me faire payer les crimes que j'ai commis. Comme il est lourd le regard du monde. Comme il est lourd le regard du monde.